for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and burn, make mistakes. And we'll be back one day. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have a... Roxane, tu sais si c'est un film? J'y comprends rien, moi. Je sais pas, c'est ton téléphone. Ah, en fait, ça filmait, c'est bon. Salut bon, tout le monde. Bon, alors, salut. On n'était pas synchro. Bon, attends, recommence, ça fait pas beau. Salut tout le monde, bienvenue sur la FAQ. Vous avez tant de questions que ça, vous savez pas assez notre vie. Vous êtes prêts à tout savoir sur nous? Bon, alors, il y avait pas mal de commentaires, on a essayé de tous les prendre et on a essayé de les trier par thème, histoire de pas se répéter. On va essayer de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci de votre participation. Il y a juste quelques commentaires qu'on n'a pas très bien compris, mais... Est-ce qu'elles sont en couple? Bon, question suivante. Oh, on a eu tellement de fois cette question. Bon, alors, au cas où c'était entre nous, non, on n'est pas en couple entre nous. Mais si c'est chacune séparément, bah non plus en fait. Ouais, moi je considère plus Oriana comme ma petite sœur en fait. Mais tu me l'avais jamais dit. Viens me faire un gros câlin. Encore une question pour moi. Est-ce que Roxane a déjà été en couple? Mais pourquoi ils font plein de fautes sur nos prénoms? Bah, tu sais, Cocotte, ils étaient pas censés savoir que Oriana, ça s'écrivait avec un AU et pas un O. Et moi, mes parents m'ont fait une anomalie dans le prénom Roxane qui normalement s'écrit deux N, moi il prend qu'un seul N. Donc bon, je les comprends. Bref, pour répondre à cette question, non, j'ai jamais été en couple. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Moi, je suis en couple avec la musique. Alors, est-ce qu'ils regardent des animés ou lisent des mangas? J'adore cette question! Les mangas, c'est toute ma vie, j'adore les lire! Tu verrais ma bibliothèque, y'a que ça! Je te dis pas quand je passe l'aspi dans la chambre et qu'elle passe jamais la poussière sur les étagères. Pour ma part, moi je suis plutôt film, donc j'adore regarder les animés, je lis pas de mangas. J'adore SNK, donc l'Attaque des Titans par exemple. Et moi! J'adore Ranma en demi! Mais y'a personne qui connaît! Non mais en même temps, c'est super ancien ce truc! Mais c'est super bien Ranma! Bon, après j'en aime plein d'autres aussi quand même. Toujours la même personne nous demande si on peut voir le copain de la sœur d'Oriana. Qui vient faire là, le copain de ma sœur? C'est moi, l'héroïne dans l'histoire! Mais bon, vu qu'on vous adore, on l'a fait venir exprès pour l'occasion! On me voit presque pas, mais il y a quand même des questions sur moi. Oh là là. Ça valait le coup de me déplacer, vous allez voir mon mec. Bon, c'est quand tu veux, hein. Ouais, bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour... tu t'appelles comment déjà? Il y a vraiment aucun respect pour moi dans cette série. Bah dis donc, encore un blond dans la famille. Bon allez, nous on va vous laisser. Est-ce que ça serait possible de faire un petit épisode bonus à quoi on ressemblera dans le futur? Bah disons qu'on n'y est pas encore, donc faudrait demander à nos créatrices. Si Oriana se marie, mais je lui ai pas encore mariée, j'en sais rien moi. Ça c'est aussi des questions à poser à nos créatrices. D'ailleurs, si vous vous posez des questions justement pour les créatrices, posez-les dans cette vidéo si vous êtes restés jusqu'ici. Car il y aura une deuxième FAQ où les doubles répondront. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser des questions quand même sur l'avenir de cette série et sur les épisodes bonus. Mais on sait pas encore, nous c'est notre vie. Donc voilà, toutes vos questions pour les doublures et comment elles ont fait le montage, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et ça veut dire qu'elles connaissent déjà tout notre avenir et elles peuvent faire de nous ce qu'elles veulent. J'ai pas trop d'idées, si elle devait faire une attraction au parc Astérix, qu'est-ce que ce serait? Bah pour quelqu'un qui a pas d'idées, c'est précis ta question. Ah oui,
Bah d'ailleurs, Roxane n'y était jamais allée. Du coup, je l'ai emmenée il y a pas très longtemps. Ouais, c'est incroyable. C'était super. On a passé un bon moment. Bah du coup, je pense que mon préféré, c'était le train de la mine. Bien essayé, sauf que ça, c'est à Disneyland. Ah oui. Bon, bah alors sinon, j'ai bien aimé l'attraction avec les rondins dans l'eau, là. Le truc le plus ennuyeux, quoi. Moi, j'aime bien GoDirect. Tu sais, celle où il n'y a personne qui ose la faire avec 8 grands vides d'affilée. C'était incroyable. Roxane, quelle est ta musique préférée? Et Juju, quelle est ta blague la plus trop? Mon prénom, il n'y a plus aucun respect là. Mais la plus trop quoi? Bon, je suppose qu'elle t'a demandé ta blague la plus rigolote ou celle que t'aimes le plus. En attendant que tu réfléchisses, je vais répondre. Faut savoir que bah, je pense que tu t'en doutais, j'adore le rock, donc j'ai pas une musique préférée, j'en aime vraiment énormément, mais si tu veux, je peux te sortir mes groupes préférés. J'aime bien Metallica, AC/DC, Nirvana, Scorpion. J'aime bien Smells Like Teen Spirit de Nirvana, mais le problème c'est que je peux pas te la mettre maintenant, sinon on va avoir des droits d'auteur, donc bon. Ah, mais j'ai trouvé, ça s'adressait pas à moi en fait. Qui a posé la question à Juju en fait? Mais c'est qui Juju? Bon, tu nous dis quelle est ta meilleure blague, qu'on en finisse et qu'on passe à une autre question. Mais c'est super dur de trouver une blague préférée, j'en sais rien moi. Bon, question suivante. Ah, encore ma chanson préférée. Bah du coup, j'ai déjà dit, si tu veux, je te sors un dernier son, c'est Nothing Else Matter de Metallica. Allez, question suivante. Est-ce que Oriana et Roxane auront un chat quand même? Sans façon. Non, l'écoutez pas, bien sûr qu'on va avoir un chat et il s'appellera Patapou Junior. Est-ce que Roxane aimerait revoir sa mère? Non, une question émouvante. Bah c'est un peu difficile à répondre, je sais pas trop. Écoute, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vue. J'ai très peu de souvenirs d'elle. En fait, c'est assez loin pour que je l'haïsse, je m'en souviens plus trop, mais je pense qu'aujourd'hui je suis quand même devenue une femme indépendante et j'ai pas trop besoin de son aide. Magnifique! La mère d'Oriana préfère-t-elle à sa deuxième fille? Ah, mes parents, ils ont toujours voulu avoir une famille nombreuse et il n'y a pas de différence entre nous tous. On n'est pas tous pareils, on a chacun des traits de caractère bien différents. Comment j'ai rencontré mes amis? Ah, ben, j'en avais un peu parlé, on était dans le même dortoir à lui. Et comme j'étais toute seule, bah, je suis allée les voir et bah, on est devenus amis. Comptez-vous faire une saison 2 où il y a un drame parce que dans l'intro, on peut voir Oriana triste? C'est pas une question pour nous, ça c'est plutôt pour les créatrices. Repose ta question ici sous cette vidéo. Oh, on aurait vraiment dû leur dire qu'il y avait une deuxième FAQ pour les créatrices. Ah oui, et dans l'intro, si je paraissais en dépression, c'était à cause de mes partiels. Hein. Ah ouais, c'est sûr, faut pas la déranger pendant ses examens. Est-ce que le GLM, tu veux pas le terminer et es-tu fière? Bah ça c'est plutôt une question pour les créateurs. Oh non, en plus elle voulait trop être choisie. Repose ta question en dessous. Est-ce que Roxane va avoir de nouveaux membres dans son groupe? Et est-ce qu'elle aime les sushis? C'est incroyable ta question. Ouais, j'adore les sushis, j'en raffole. Ah d'ailleurs, on peut en manger ce soir, Rox? Oh d'ailleurs, ouais, pourquoi pas. Ah c'est super, tu te souviens que je suis passée en voix pro? Ouais, bah pour en revenir à ce sujet là, non, pour l'instant il y a personne qui va intégrer le groupe, si ce n'est que, enfin pas de musiciens prévus, mais si ce n'est que le personnel, les managers et les secrétaires, oui, mais sinon non. Sinon, j'ai trois questions à vous poser si vous voulez bien me répondre. Ah bah bien sûr qu'on va te répondre. Est-ce que Oriana a réussi ses examens? Est-ce que Roxane sait jouer autre chose comme instrument de musique? Et c'est quoi son animal préféré? Bah en vrai, j'ai eu les résultats il y a pas si longtemps et j'ai tout loupé, c'était une catastrophe. Mais non, je rigole, j'ai tout réussi. Bah tu sais, en tant que musicienne, moi je m'intéresse un peu à tout. Bon évidemment, la guitare électrique c'est mon instrument favori, mais je suis quand même un peu obligée de sentir le rythme, donc je sais un peu jouer de la batterie légèrement avec Kira, elle m'avait montré 2-3 trucs. Et ce qui est mon animal préféré, j'adore les chats. Pardon? Mais non, je rigole, j'aime bien plein d'autres animaux, pas trop le chat. Ah bah je sais pas, j'ai jamais trop réfléchi à la question moi. Non mais tu te fiches de moi, tout le monde sait quel est son animal préféré quand même. Moi par exemple c'est le chat. Bah j'aimerais bien les lémuriens. Quel âge a Oriana et quels sont leurs plats préférés? Moi j'ai 20 ans. Tu l'as dans une semaine ça. Oh mais c'est pareil. Ouais, elle est née 5 mois avant moi. Bah moi j'aime bien tous les petits plats que me fait Oriana, genre les lasagnes du dimanche soir, c'est trop bon. Bah moi j'aime bien les ramen que Roxane me fait, mais ils sont un peu trop épicés, ça arrache.
Tu vas encore refaire une série du genre? Mais c'est encore pour les créatrices, ça! Bon, bah, remets-la en dessous et elles y répondront. Anna, comment a réagi tes parents lors de ta crise d'ado, si t'en as eu une? Et Roxane, est-ce que quand Rihanna était bourrée, t'as regretté de l'amener? La crise d'ado. J'ai commencé à me rebeller à l'âge de 15 ans, mais... Ben, ça a pas marché. Mes parents, ils m'ont stoppé direct. Ah, bah pour l'épisode où on était bourrés, je pensais vraiment que pour le coup, la faire boire, ça allait... on allait bien s'amuser, mais... Mais on s'est bien amusé. Parle pour toi, c'est moi, 4h du mat, qui a dû t'empêcher de danser la salsa avec n'importe qui, je te signale. Non, ça va. Rihanna. Oh non. Je te demande pardon. Tu sais danser la salsa? Pardon. Je m'en souvenais pas de ça. Non, bon, c'était une super soirée, j'ai pas regretté quand même, c'était assez cool, ouais. Alors, quels sont tes passe-temps, Oriana, et quel est ton sport préféré, Roxane? Alors, moi, j'adore faire plein de fabrications, donc aussi faire de la cuisine. Et quand j'ai le temps, bah, j'adore sortir, faire les boutiques, faire des parcs d'attractions. Qui n'aime pas les parcs d'attractions en même temps? J'aime bien faire du basket. Quand j'étais petite, dans mon avenue, il y avait un terrain de basket dans la copropriété et je jouais souvent avec les gens qui étaient plus grands que moi. Mais quand j'ai grandi, du coup, ça s'est estompé vu que tout le monde... Enfin, le basket, c'est un sport d'équipe, donc je pouvais plus jouer avec eux. Mais moi, je joue avec toi au basket quand tu veux. Et puis, comme je suis petite, je me faufile rapidement et je vais super vite et puis tu me porteras pour faire les paniers. Même si je te porte, t'atteindras pas le panier. T'as dit quoi, là? Non, rien. Prochaine question. J'exige une explication sur la partie jeux vidéo, Rihanna et Roxane. Non, m'en parle pas. J'ai joué pendant des heures à ce jeu. J'avais un super bon level et je voulais tout lui apprendre. J'étais super contente, mais apparemment, elle savait déjà faire. Est-ce que Roxane est lesbienne? Je te verrais mieux en lesbienne qu'en normale. Pourquoi tout le monde pense ça? Roxane, tu m'as caché quelque chose? Mais non, il y a juste tout le monde qui pense ça. On est juste meilleurs amis, on l'a déjà dit. Mais merci quand même pour ton commentaire. Quoi, leur orientation, est-ce qu'elles sont toutes les deux hétéros? Du coup, ça répond un peu à la question. Hein. Moi j'ai quand même déjà eu un petit copain quand même, donc bon. Rihanna a réussi ses examens? Bon, on a déjà répondu à cette question, mais bon, je suis touchée que vous vous intéressiez tant à moi, donc on va y répondre. Eh oui, j'ai tout réussi! Est-ce que Rihanna et Roxane sont en couple? Non! Est-ce qu'elles veulent continuer leur coloc? Et qu'est-ce que Rihanna veut faire plus tard? C'est sûr qu'on va garder notre colocation. De toute façon, les critères, ils sont là. On peut pas changer de maison du jour au lendemain. Et de toute façon, on a toutes les deux besoin de cette maison. Et pour l'instant, elle est pas très insupportable. Moi, pour mon métier, comment ça, je suis pas trop insupportable? Bon, du coup, je vous disais, vu que je fais des études dans les sciences, je pensais à scientifique, mais après, il faut que je vois un petit peu tout ce qu'il y a. Au moins, elle a un avenir comparé à moi. On s'appelle le groupe complet de Roxane et y a-t-il une signification particulière? Premiers épisodes, on l'avait rapidement évoqué, mais c'est Rock apostrophe S band. En fait, ça se prononce Rox band. Et Rox, ça fait comme le diminutif de Roxane. Donc c'est la bande de rock, soit la bande de Roxane. Mais c'est trop bien trouvé! Est-ce que Roxane joue d'un instrument? Alors ça, on y a répondu précédemment. Et voilà, est-ce que Rihanna joue d'un instrument ou en apprend un? Non. Quand j'étais petite, j'ai essayé le tambour, mais ça n'a pas trop marché. De la vidéo, tu tapais comme un bourrin? Mais chut! Ah oui, et il y avait une question sur mon plat que je déteste. En fait, c'est pas trop un plat, mais j'aime pas trop les croissants. Vraiment, la seule fille que j'ai rencontrée qui aime pas les croissants et qui est française. Mais oui, mais c'est tellement meilleur les pains au chocolat. Disney préféré d'Oriana et c'est quoi le film préféré de Roxane? Moi, j'adore Réponse. En plus, on se ressemble trop. On a la même couleur de cheveux, non? Mais t'as les cheveux courts, toi. Ouais, moi j'aime bien les films d'action, donc tout ce qui est Marvel, etc. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à me battre. Comment ça, c'est là que t'as appris à te battre? T'as des rayons laser en plus? Coup de pied retourné. Ok, j'ai compris ce que ça voulait dire. Merci beaucoup pour ton commentaire. Prochaine question. C'est fini, cocotte. Quoi? Voilà, c'est officiellement la fin de la série de Coloc, une amitié. En tout cas, la saison 1, si un jour il y a une saison 2, on sait pas.
Faudrait qu'il nous arrive un truc de malade, comme ça il y aura une saison 2. Beaucoup, vous avez été très nombreux et nombreuses à être intéressés par notre vie, ça nous touche énormément. Ouais, tout le soutien qu'on a reçu, ça fait trop plaisir. Même quand on était coincés dans le train, il y en avait qui nous encourageaient. Donc merci. Bon, bah maintenant j'ai coupé la caméra. Hein. Imagine, depuis tout à l'heure, c'est un peu fumé, il n'y avait plus de batterie. Ah, arrête de dire des trucs comme ça. Attends, je crois qu'on a oublié de leur dire un truc. Non, pour moi, on a tout dit, on a déjà bien parlé. Mais non, tu te souviens pas, ils doivent rencontrer nos créatrices. Donc mettez toutes vos questions sous cette FAQ. Du coup, à la prochaine, mais c'est officiellement la dernière fois que vous nous voyez en tant qu'Oriana et Roxane. Et la prochaine fois que vous verrez, mais c'est les doublures. Donc, bah, à jamais. Bon, au revoir. Mais pas jamais quand même, hein. Ouais, t'es encore là, bah bravo à toi. Bah du coup, on se retrouve dans la FAQ avec les doublures, hein. Et vous aurez même droit à un bêtisier. Vous allez voir comme on a bien galéré. N'hésitez pas à nous demander quels sont nos passages préférés, quelle est la blague qui nous a fait le plus rire, ce genre de choses, quoi. À bientôt. À bientôt.